Nous construisons en moyenne 120 Panamera par jour. Nous avons optimisé la production et la fabrication. L'usine de Leipzig a été conçue dans ce but. La Mega Factory s'étend sur plus de 46 000 mètres carrés. Nous sommes dans le centre logistique de Leipzig. Environ 150 à 160 camions arrivent ici tous les jours. Ces camions livrent plus de 200 000 pièces par jour à l'usine. Des pièces qui vont être utilisées sous 24 heures. Avec des flux aussi tendus, perdre une pièce n'est même pas envisageable. Pour éviter qu'on ne la perde, chaque pièce a son propre emplacement. Tous les éléments sont stockés ici, dans des espaces qui leur sont réservés. L'atelier d'assemblage et le centre de logistique sont connectés à l'aide d'une interface informatisée. Ce processus nous permet une parfaite synchronisation entre la gestion des stocks et la ligne d'assemblage pour le montage des voitures. Les pièces arrivent dans des flight cases spécialement conçus pour l'usine. Donc voici l'un d'entre eux. Celui-ci a été fabriqué pour abriter les volants et les airbags de la voiture. Un ouvrier récupère le volant et la porte directement sur la chaîne de montage. L'assemblage des voitures s'effectue dans l'usine de Leipzig, mais trois autres usines sont mises à contribution pour fabriquer une Panamera. La carrosserie est construite et peinte à Hanovre, tandis que le moteur est assemblé dans la banlieue de Stuttgart. Nous sommes dans l'usine d'assemblage des moteurs à Zuffenhausen. C'est le cœur du système. Voici le centre de l'usine moteur. Le département logistique où des pièces vont être livrées jusqu'à 14 fois par jour. À l'aide de feuilles de route, les techniciens chargent les pièces dans des chariots qui iront alimenter la chaîne d'assemblage. C'est un vrai challenge de mettre les pièces de moteur au bon endroit et quand il faut. Il faut que les éléments arrivent en 8 secondes sur la ligne. Cet engin jaune est un transporteur automatique. Il est géré par l'ordinateur qui détermine le chemin à emprunter pour arriver là où il doit aller. Il ne faut pas moins de 190 pièces pour assembler un moteur. Et un transporteur dédié qui va acheminer toutes les pièces en même temps. Voici la chaîne d'assemblage V. On y monte les V6 et les V8. L'usine fonctionne 16 heures par jour et 300 techniciens sont affectés à la construction de 7 moteurs différents. Cette offre multiple fait partie de la stratégie commerciale de la marque. Le prix d'une Panamera de base est de 75 000 dollars et peut grimper jusqu'à plus de 173 000 dollars. Tout dépend de la motorisation choisie. Du V6 de 300 chevaux au V8 turbo développant 550 chevaux, les acheteurs n'ont que l'embarras du choix. La version turbo atteint les 306 km/h.
C'est dans cet atelier que le montage du moteur commence. ...43 ateliers composent la chaîne de montage moteur. Chaque étape prend 3 minutes et 45 secondes. C'est ce que les fans de la marque demandent. Des moteurs construits avec un soin et une précision extrême. Voici les turbos de la Panamera. Et c'est dans cet atelier qu'ils sont montés sur les moteurs. Les techniciens travaillent avec des outils manuels. Et des outils contrôlés par ordinateur. C'est un outil intelligent, oui. Toutes les données concernant le couple sont programmées dans l'ordinateur. Les machines robotisées se chargent du travail de précision. Les têtes de cylindres sont assemblées dans cet atelier. Et voici les stations robotisées qui effectuent cette tâche. Chaque robot a sa propre fonction. Nous avons un programme informatique particulier pour chaque gamme de motorisation. Le robot sélectionne le bon tournevis pour le moteur en cours de montage. Au bout de 3h30, nous avons un moteur complètement fini et prêt à tourner. Les transporteurs automatiques qui avaient déposé les pièces au début de la chaîne de montage récupèrent les moteurs assemblés. Ce chariot se positionne sous le moteur et le soulève. Puis on l'expédie à Leipzig. Le système de transport achemine les moteurs terminés vers l'aire d'expédition. Et de là, les moteurs vont être envoyés à Leipzig par camion. Il faut environ 4 heures pour arriver à l'usine de Leipzig. Une fois sur place, les moteurs vont être couplés au châssis. Lorsque les camions arrivent, une course contre la montre commence pour les techniciens. Nous déchargeons un moteur toutes les 2 minutes et 20 secondes. Des moteurs spécialement conçus pour la Panamera. La performance fait partie intégrante de toutes les voitures de sport. Et les modèles 4 portes ne vont pas déroger à la règle. L'offre est vaste. L'acheteur peut choisir parmi 7 motorisations différentes, 2 types de transmission. Une propulsion arrière ou une version 4 roues motrices. Vous pouvez vous amuser sur un circuit, mais vous pouvez aussi partir avec en vacances.
toutes les pièces mécaniques de la voiture arrivent au même endroit au sein de l'usine. Les pièces principales, comme le moteur ou la boîte de vitesse, sont déchargées selon l'ordre dans lequel elles seront montées sur les voitures. Les moteurs sont déchargés dans un ordre précis. Le système ressemble à un passage en caisse au supermarché, mais beaucoup plus rapide. Le code-barre permet d'identifier le moteur. Si c'est le bon, il est acheminé vers la chaîne. Dès que les pièces sont déchargées, les palettes de transport retournent vers les camions vides. Une manière efficace de maintenir un flux tendu entre livraison et intégration des différents éléments. Les moteurs sont placés sur des chariots et une fois déchargés, les chariots repartent dans le camion vide. Et on répète le processus. Une chaîne d'assemblage est commune aux 7 motorisations. C'est dans cet atelier que nous couplons la boîte de vitesse au moteur. Les Panamera sont livrés avec une boîte de vitesse robotisée à double embrayage. Une transmission conçue à l'origine pour les voitures de course du constructeur. C'est un élément clé qui va donner à cette berline 4 portes l'âme d'une sportive. La transmission donne le choix au conducteur de passer les rapports manuellement ou de laisser l'ordinateur s'en charger. Vous pouvez passer les vitesses vous-même si vous aimez la conduite sportive. Mais sinon, n'importe qui peut la conduire, même votre grand-mère. Alors que les techniciens s'affairent sur les moteurs et les transmissions, des transporteurs robotisés parcourent la chaîne d'assemblage. Ces transporteurs sont de véritables établis roulants sur lesquels on assemble les châssis. Pour des questions de sécurité, les chariots sont équipés d'un détecteur. Je vais vous montrer. Vous voyez, il s'est arrêté. Je recule. Et il reprend son chemin. À présent, les suspensions et les freins sont montés sur la voiture. Des éléments essentiels, directement issus du savoir-faire sportif du constructeur. Nous roulons à 160 km/h. Le freinage est puissant, même sur route mouillée. Aucun problème de traction. Différents éléments sont montés sur le moteur et sur la chaîne d'assemblage du châssis. Ici, chaque seconde est comptée. Chaque étape ne doit pas dépasser 2 minutes 20 secondes. La Panamera est équipée d'un système appelé Stop and Go. Lorsque la voiture s'arrête à un feu ou pour respecter un panneau de signalisation, le moteur se coupe automatiquement pour économiser du carburant. J'ai le pied sur la pédale de frein, la voiture ne bouge plus. Le moteur s'arrête sans que j'aie touché à l'allumage. Une pression sur l'accélérateur et le moteur démarre instantanément. Pour redémarrer, on appuie sur les gaz et la voiture repart. C'est très efficace.
tellement efficace qu'en moyenne, la voiture ne consomme que 11 litres d'essence aux 100 km. Mais pour la plupart des acheteurs d'une Panamera, la consommation de carburant n'est pas un critère déterminant. Ils choisissent ce modèle pour ce qui se passe quand on colle la pédale d'accélérateur au plancher. La création d'une berline sportive a obligé la marque à concevoir un design totalement nouveau. Nous sommes partis d'une page blanche. Lorsque nous avons attaqué le projet, nous avons fait de nombreux croquis, comme celui-ci. Nous avons essayé d'adapter le tracé du toit de la 911 à une voiture de 4 places. Nous avons tout fait pour maintenir l'esprit sportif de la marque. Et cette philosophie prend vie ici, au département châssis de l'usine de Hanovre. 12 000 ouvriers s'affairent dans cette gigantesque installation où l'on fabrique principalement des utilitaires et des camions. Seulement 300 techniciens sont formés pour travailler sur la Panamera. C'est dans cette usine que se trouve l'une des plus grandes presses hydrauliques d'Europe. Une machine géante de près de 500 tonnes. Plus grande qu'un terrain de football. Un engin si gigantesque que le sol tremble lorsqu'elle est en marche. ...95% du pressage se fait de manière totalement automatisée. En moyenne, nous produisons 120 carrosseries de Panamera par jour. Étape suivante, la soudure. Soulever ce panneau latéral ne semble poser aucun problème à ces deux techniciens. La raison est simple. La carrosserie est constituée d'aluminium ultra léger. La seule difficulté consiste à repérer les imperfections du matériau qui nécessitent un ajustage. Ce processus de contrôle qualité identifie les éventuels défauts apparus lors de l'étape du pressage. Réaliser la carrosserie d'une Panamera n'est pas une tâche facile. Une voiture ordinaire est généralement construite avec un seul type de métal. Dans la Panamera, il y en a 6. Beaucoup de matériaux entrent dans la fabrication de la voiture. Il y a notamment de l'aluminium, des tôles d'acier galvanisées et d'autres alliages que l'on retrouve dans les panneaux latéraux. Pour l'avant de la voiture, on utilise de l'aluminium moulé sous pression. Ce mélange de différents métaux est bien entendu totalement intentionnel. Le but est de rendre la voiture solide, mais aussi la plus légère possible. Plusieurs robots sont affectés à l'assemblage de la carrosserie. Certains mettent les éléments en place, d'autres soudent les pièces entre elles. Ici, une machine applique une colle spéciale pour joindre deux éléments. Toutes ces machines sont contrôlées grâce à des écrans informatiques qui ressemblent à des jeux vidéo de dernière génération. Un scanner laser est utilisé afin de s'assurer que tous les éléments s'emboîtent parfaitement et avec précision. Il y a des outils de mesure informatique comme celui-ci tout le long de la chaîne. Ils sont intégrés dans la ligne d'assemblage de chaque composant formant la structure de la voiture. Le robot positionne le toit.
et un technicien soudeur renforcent les endroits inaccessibles à la machine. C'est au tour des portières d'être montées. Elles passent également par la station de contrôle. Les soudures sont polies, puis vérifiées à la main. Petit à petit, la carrosserie commence à ressembler à une vraie voiture. Il est temps de passer à la peinture. Chaque carrosserie est hissée au second niveau. Elle est positionnée au début de la chaîne de peinture. Mais il faut d'abord effectuer un autre contrôle qualité. La carrosserie passe dans une cabine qui va révéler le moindre défaut. La voiture pénètre ensuite dans une autre cabine où elle va être enduite d'une solution chimique qui permettra de fixer la peinture à la carrosserie. L'usine d'Hanovre possède l'un des ateliers peinture les plus modernes qui soient. Les machines peuvent appliquer 24 couleurs standards. Et plus de 130 couleurs personnalisées sont disponibles pour satisfaire les demandes des clients. Les peintures sont séchées dans une cabine chauffée. La version automobile d'un sèche-cheveux de catégorie industrielle. Pour finir, on applique une couche de protection transparente. Les dernières étapes. Contrôler et polir chaque nouvelle voiture à la main. Et comme toujours, on recherche et corrige le moindre défaut. À l'issue de cette étape, toutes les carrosseries sont fin prêtes. Elles sont acheminées dans une aire de stockage automatisée. Chaque carrosserie est identifiée et préparée pour être expédiée à l'usine de Leipzig en vue de l'assemblage final. Les carrosseries de Panamera sont stockées sur deux niveaux dans un wagon de transport. Le voyage vers l'usine de Leipzig peut commencer. Elles vont enfin rejoindre la ligne d'assemblage. Les carrosseries qui quittent Hanovre sont équipées d'un transpondeur, donc on sait à tout moment où elles se trouvent. L'usine suit l'acheminement de chaque carrosserie depuis un poste de contrôle.
Le centre de contrôle. Nous sommes dans le cœur de l'usine. Un véritable QG qui suit le moindre mouvement de chaque carrosserie et notamment l'heure d'arrivée de chaque pièce tous les après-midi. Nous sommes sur la chaîne de la Panamera. C'est là que tout commence. Les carrosseries arrivent d'Hanovre. Un système de monte-charge distribue les carrosseries dans l'usine. L'usine Porsche des débuts était totalement différente du complexe ultramoderne d'aujourd'hui. Le rythme était beaucoup plus lent. Les moteurs étaient assemblés entièrement à la main. L'installation du moteur et la boîte de vitesse était une manœuvre beaucoup moins facile que de nos jours. Elle nécessitait trois ouvriers, dont un allongé sous la voiture, pour faire en environ 30 minutes, ce qui demande aujourd'hui 2 minutes et 20 secondes à la nouvelle usine de Leipzig. C'était des pionniers. Ils se lançaient dans une aventure totalement nouvelle. Ils partaient d'une feuille blanche, ils créaient une voiture encore jamais vue en utilisant des méthodes très modernes pour l'époque. Ils recherchaient déjà le rendement optimal. La possibilité de placer la voiture dans n'importe quelle position est une des clés de l'efficacité de l'usine. Nous pouvons basculer la voiture pour travailler sur le châssis. Sur d'autres lignes, nous pouvons l'élever ou la baisser. Ce système permet d'accéder plus facilement à certaines parties de la voiture. Mon job, c'est d'installer le réservoir d'essence. Pierre. Puis le légendaire badge Porsche est installé avec soin. Le badge est, d'après ce qu'on m'a dit, la pièce détachée la plus demandée. Beaucoup de gens ne peuvent pas s'offrir une voiture de luxe, alors ils achètent uniquement le badge. Même sans lui, on doit pouvoir reconnaître la voiture. Un insigne qui symbolise la conduite sportive. La stratégie de la marque concernant la Panamera était de parvenir à allier deux secteurs distincts. D'une part, le luxe et d'autre part, la sportivité. Vous voyez la voiture passer et vous tombez amoureux, vous la voulez. Vous la regardez et elle vous donne envie de savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce désir commence par les sièges. La Panamera est une voiture 4 places. Les 4 sièges les plus haut de gamme jamais conçus pour une voiture de la marque. 9 variétés de cuir sont proposées au catalogue. Moi, j'installe les sièges. Je me sers de cet outil pour déplacer les sièges. Et les insérer dans la voiture. Parmi les options proposées, différentes teintes de bois et de l'aluminium brossé. Nous avons pleinement conscience que nous nous devons d'offrir des matériaux nouveaux et différents et des options supplémentaires. J'aime particulièrement la finition de ce bois, par exemple. D'habitude, je m'occupe des sièges. Aujourd'hui, j'apprends à installer la façade avant. On a 7 minutes pour le faire. Chaque stade de l'assemblage est contrôlé à l'aide d'écrans informatiques. Toutes les étapes sont expliquées sur cet écran. Par exemple, là, ça concerne l'avant. À l'avant. Vous voyez, ce sont les phares. Les phares.
Les portières sont assemblées sur cette ligne de montage, puis montées sur la voiture. Nous sommes au poste de finition. Nous avons assemblé la voiture en commençant par le châssis. Maintenant, on va passer au contrôle de la peinture. Jusqu'à maintenant, on a recherché le rendement maximal. À présent, on recherche la perfection. Les châssis assemblés et les carrosseries se rapprochent, puis se rencontrent au cœur de l'usine. Les ensembles moteur-boîte de vitesse et les essieux arrivent. Là, on a un V6. C'est pour cette Panamera blanche. Des monte-charges automatisées hissent les châssis sous les carrosseries. Le couplage des deux éléments va prendre 2 minutes. C'est le délai qu'on s'est imposé. Ces deux pièces majeures s'assemblent parfaitement à chaque fois. Le couplage se fait en 2 étapes. Dans un premier temps, on assemble. Et à la station suivante, on les fixe ensemble. Seulement 21 vis sont nécessaires pour marier châssis et carrosserie et lui permettre de faire ça. La fabrication de la Panamera est presque terminée. Un système de transport achemine les voitures vers le dernier atelier. Un atelier d'assemblage final au rendement optimal. Notre philosophie est simple. Nous recherchons l'efficacité maximale en permanence. Non pas parce que nous voulons faire les choses différemment, mais parce que nous recherchons toujours un moyen d'améliorer notre rendement. À Leipzig, cela veut dire une rationalisation extrême de tout le processus. Les pare-chocs sont envoyés à la chaîne d'assemblage tout de suite après avoir été déchargés des camions. Puis on monte les optiques. À l'intérieur, on installe le système de navigation, le levier de vitesse et enfin le volant. Vous pensiez peut-être que la vérification des niveaux de votre voiture lors d'un passage à la station-service appartenait au passé. Vous aviez tort. Ici, on fait bien plus que vérifier la pression des pneus. On vous donne des pneus neufs, qui proviennent directement d'un camion qui vient tout juste d'arriver à l'usine. Pour 12 voitures, il faut un camion entier de pneus. Si vous avez déjà passé des heures dans un garage à attendre qu'on vous installe des pneus neufs, sachez qu'ici, ça ne dure que 2 minutes 2 secondes. Chaque voiture passe par différents postes de contrôle qualité. Le but recherché, la précision. Que ce soit dans l'ajustage des optiques arrière, ou pour la fermeture automatique du haillon commandé par un bouton à l'intérieur de l'habitacle.
les techniciens démarrent le moteur pour la première fois. Un ordinateur contrôle son rendement. Mais le véritable test va se dérouler à l'extérieur de l'usine, sur la piste d'essai. Mon rôle consiste à essayer la voiture et à donner mes impressions. Il ne s'agit pas seulement de données informatiques. Je rencontre aussi des sensations que j'éprouve. Ce qu'on appelle le facteur plaisir. Ce que la voiture vous procure comme sensation. Ce que vous ressentez. Un travail qu'envient tous les amateurs de voitures. Puis la voiture revient à l'usine pour être nettoyée une dernière fois. Perfect ist nicht gut genug. Ce qui se traduit par « la perfection ne suffit pas »